Sans Afrique, pas d'histoire. Du projet Stella Band System, c'est deux choses. C'est à la fois le confinement, la fermeture des frontières, et on se dit, bah voilà, si t'as là, on est habitué à travailler ensemble, Burkinabé, Français, en France et au Burkina Faso, comment on va faire pour travailler chacun de notre côté ? J'étais à Soudan, j'ai parti à Libye. Après à Libye, j'apprends un petit bateau. On est entré en italien, c'est 2016. C'est la première ville qui entre, c'est le Nice, il s'appelle Nice. Après, j'apprends le train aussi, j'ai parti à Lyon, à Paris, j'ai parti à Calais. Je reste Calais 6 mois, et puis c'est une voilà. Quelqu'un qui est le bénévole qui habite à Cotence, il a dit. Il y a un festival Momo Mortar. Comme toi, vous voulez tu travailles bénévole là-bas. J'ai fait à bénévole. Ça fait 12 jours. Je reste là-bas. On a fait beaucoup de choses pour le festival là-bas. Oui, c'était bien. De choses et à la fois pas grand chose. J'y suis présent depuis 2000. J'ai été dans le bureau quand même, j'ai été dans le bureau une période. J'ai souvent fait l'accueil des festivaliers. Pour moi c'est pas grand chose, hein. C'est parce que c'est une participation essentiellement sur le festival. Je porte ma petite pierre à l'édifice, hein. Elle est légère, mais moi ça me convient pour l'instant. Quoi. Je suis Octavien Jean-Richard Codia, originaire du Bénin. Je suis musicien professionnel. J'ai été repéré à Cotonou, la ville où j'ai grandi au Bénin, au sein d'une famille où la culture traditionnelle est très présente. Et j'ai été repéré par les Tambours de Brazza. J'ai démarré une tournée de remplacement avec eux pour 15 jours au Maroc. J'ai fait 10 ans avec eux et on a tourné aux États-Unis, en Asie, en Europe. Avant d'atterrir à Dia-sous-les-Pommiers, en 2001, j'ai découvert que ma vie était ici parce que j'ai rencontré la mère de mon fils. Moi, mon lien avec l'Afrique, il est très très fort. Il y a un premier voyage quand j'avais 20 ans. Je suis partie avec mon grand frère découvrir le Burkina Faso, rencontrer l'association Citala avec qui je bosse toujours. Le lien, il est affectif, musical, sur tous les fronts. J'ai vraiment découvert l'Afrique via la musique. Je ne suis jamais allé en Afrique. J'ai la sensation d'y avoir été, mais j'espère y aller très bientôt. Mon rapport personnel, déjà, il est assez évident. Il est un peu marqué sur moi. Il y a quelque chose qui dit que voilà, il y a une partie de moi qui est africain, même si j'y ai jamais été. C'est quelque chose que je réaliserai sûrement à certains moments. Mais l'occasion s'est jamais présentée. Franco-sénégalais. L'Afrique, c'est le centre du monde, hein. C'est présent tout le temps, c'est présent partout, c'est une terre de richesse. Quoi que je fasse, en fait, il y a un lien, c'est pas forcément volontaire. Je suis un adorateur des Black Panthers, de Malcolm X. En fait, tout est rattaché. Donc, je pense que l'Afrique est au centre de ma personnalité, ouais. Je suis syndicaliste. Oui, il y a un lien. Moi, je suis en lutte permanente. Quoi. L'Afrique est en lutte, je suis en lutte, le monde devrait être en lutte. Ma vie, je l'ai dit, est centrée autour de ça. Quand on pense en union, ça fait la force, ça nous avance. Il y a un qui a vraiment marqué ma vie avec mes pensées politiques, c'est J.J. Rawlings. Paix à son âme, il vient de mourir. C'était le président du Ghana. Il est d'un père écossais et d'une mère ghanéenne. C'est lui qui a changé le Ghana. Et je trouve que si aujourd'hui, tous les dirigeants africains essayent en pensant à la réussite du continent, il y a beaucoup de choses qui vont changer.
despite that know that feeling hit something's wrong with me now. Dans la musique africaine, il y a vraiment quelque chose de naturel, spontané. En plus, leur musique, elle n'est pas du tout écrite, c'est que de la transmission orale, ouais. Donc ça rejoint en fait ce ressenti de feeling, parce qu'eux l'ont appris aussi comme ça. Il y a une grande liberté en fait dans la création et dans le jeu même, quoi. J'ai écouté tous les jours, bah, MHD, Metro James, tu vois. Comment il s'appelle? S'il est mort depuis 3 ans, tu vois. Il s'appelle Johnny Hallyday. C'est bien pour l'homme français. Il écoutait un peu musique arabe, il préférait des musiques calmes, tranquilles, tu vois. Moi, je suis très très sectaire en musique. C'est tout sauf chauffer dans le lorceur. C'est éclectique. Moi, je suis sectaire. J'écoute que du hip-hop et du métal, mais pas n'importe quel métal. Moi, je suis fan de Bodycant. Encore une fois, si on regarde bien, eh ben, tout est lié encore à l'Afrique, quoi. Sans Afrique, pas de hip-hop. Sans Afrique, pas d'histoire, quoi. Je vais penser à Ali Farka Touré, Vieux Farka Touré, son fils. Je pense à Fela Kuti. Je pense à lui aussi parce qu'il est précurseur dans la musique. C'est un peu le fondateur de l'afro-funk. Je pense à Oumou Sangaré, au niveau féminin, Rokia Traoré, Toumani Diabaté. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la musique africaine, c'est aussi les mélanges Amérique-Afrique, blues africain, quoi. Donc il y a Ali Farka avec Rick Hooder, par exemple. Donc là, on a vraiment le combo d'un bluesman américain avec un bluesman africain, quoi. Donc c'est vraiment intéressant au niveau sonorité. La musique pour moi, c'est juste un nom, mais qui dit beaucoup. Je suis autodidacte, mais ça me permet, par rapport à ma connaissance de la traditionnelle jusqu'à mon expérience que j'ai acquise sur la route, de jouer avec des groupes de rock, de jouer avec des groupes de jazz, de jouer avec des groupes de funk. Quand on dit world music, ça veut dire que c'est de la musique africaine, mais embellie. Manu Dibango, paix à son âme. On dit toujours qu'il fait du jazz et lui, il leur dit toujours qu'il ne fait pas du jazz. Il fait de la musique africaine, mais colorée. Donc, c'est pour ça qu'ils disent « world ». Olé.